Mesdames, messieurs, je vous remercie profondément d'avoir répondu à notre appel. Comme vous pouvez voir, je suis un peu handicapé avec cette jambe. Oh bon, soit je me présente, inspecteur fait moi mal, attaché au ministère de l'Intérieur et des Miracles. Ben oui, vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ça à la télévision. Et c'est normal, car voyez-vous, moi je travaille dans l'ombre. Le ministère de l'Intérieur, ça oui, tout le monde connaît, mais les miracles, les miracles c'est toujours un peu caché. Hein. Il y a quelque temps, le ministère a été alerté par la sous-préfecture de Péronne. De nombreux incidents s'étaient produits dans cette commune. Alors comment vous décrire ça? C'est quand même... Comme si une immense vague d'amour avait recouvert la cité de sa guimauve rose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bon, bref, c'est une image. La sous-préfecture a reçu un message où la situation de trouble que je viens de vous décrire était explicitement revendiquée par... les anges. Oui. Les anges. Et voilà le pourquoi de ma présence ici. Ah, le gouvernement aurait pu envoyer les forces spéciales, l'armée, les CRS, que sais-je. Les réponses que j'ai reçues sont des plus abracadabrantes. Tous parlent d'amour, de justice, ou que sais-je, d'égalité même, de fraternité. Oh, bon, enfin, soit. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'ils sont tous passés par ici, sur le chemin entre Aizecourt-le-Bas et Temple-la-Fosse. C'est donc ici, dans cette campagne riante, qu'il faut pister le mal qui peut se cacher dans chaque buisson, derrière chaque feuille, au creux de chaque ornière. Ah oui, mais vous voyez mon état. Ah, c'est bien fait. J'ai donc besoin de vous. Messieurs, dames, j'ai besoin absolument de vous. Temple est en danger. Péronne est en danger. La Somme est en danger. La Picardie est en danger. La France est en danger. L'Europe est en danger. Et j'espère que vous mettrez toute votre énergie à poursuivre l'enquête à ma place. J'ai oublié de vous présenter mes charmantes assistantes. Mademoiselle, garde à vous fixe. La ravissante Miss 001, la délicieuse Miss 002, la remarquable Miss 003, l'incomparable Miss 004 et la sûrement surpassable Miss 005. Bon. Mais à quoi ressemblent les anges? À quoi reconnaît-on un ange? Détail important pour vous qui, aujourd'hui, devrez découvrir si des anges se cachent dans les bois ou si, au contraire, ce sont de simples imposteurs, des troublions, des rebelles de la pire espèce que la justice punira, soyez-en sûrs. Vous devez observer et graver dans votre petit crâne d'œuf tout ce que vous verrez, entendrez, ressentirez. Si vous entendez un chant, essayez de le retenir. Les anges sont musiciens. Les anges font des vocalises. Oh. Oh. Attention, les anges peuvent être dangereux. Rappelez-vous l'histoire de la femme de Lot qui fut transformée en statue de sel. Je pense qu'aucun d'entre vous ici n'a envie d'être statufié pour l'éternité dans la forêt. Si vous sentez qu'une vague d'amour vous submerge, résistez! Je crois que vous êtes prêts pour le grand départ. Miss 001 vous accompagnera tout au long de votre parcours. Je vais maintenant distribuer un carnet dans chaque groupe. Ce carnet va pouvoir aider l'inspecteur dans son enquête. Ouais. Il est donc important. Maintenant, les enfants,
Nous allons vous distribuer un sac à chacun. Dans ce sac, vous allez y mettre tous les trésors et les plumes que vous trouverez sur le chemin. Ouais. Tous les indices que vous trouverez, il faudra le mettre dans le sac. Non, ça sert plus tard. C'est parti, en avant, marche! En avant, marche! Suivez-moi! Soyez vigilants! Bien! Reprenons! Leur mouvement, leur réaction. Allez, en formation, on se met en file indien, s'il vous plaît. Et puis, suivez-moi. Deux rangs au maximum. Suivez-moi. Allez, allez. N'oubliez pas les indices, notez vos observations, les carnets sont importants. C'est parti! Et chacun son tour, hein. Vas-y. On avait pensé avant. Alors, quelles sont vos observations sur les carnets? Qu'est-ce que ça vous inspire, là, cette présence des anges? Ça va nous avancer dans le bilan, ça. Ils sont courageux de danser en plein soleil. Oh non, non. On avance. C'est horrible. Florian, recule. Ils sont plumés. On fait un petit arrêt, s'il vous plaît, pour ramasser les indices. Ah, ils sont plumés, les indices. Les cailloux au kilo. Les Nous sommes venus et nous vous appelons. Approchez, approchez. Nous lisons l'amour. C'est les années 70, tu sais. Avec les fleurs et tout. Nous lisons la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Approchez, n'ayez crainte. Allez-y! Là, quoi? Mais qui va là? C'est du boulot d'être en genou. Touche ma peau ainsi. Ni l'eau, ni la brise de midi ne sont plus douces que ta main. Aujourd'hui, chéris-moi, petite fleur,
c'est ton tour. Souviens-toi des caresses que je t'ai apprises la nuit dernière. Et près de moi qui suis lasse, agenouille-toi sans parler. Un poème de Jacques Prévert. Les enfants qui s'aiment. Bien, ça tombe bien. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout, contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit. Ma joie qui secoue la maison retient ceux qui voudraient mourir par les notes de sa chanson. Je chante faux. Ah, que c'est drôle! Ma bouche ouverte à tous les vents lance partout des notes folles qui sortent je ne sais comment pour voler vers d'autres oreilles. Je crie ton nom au fond des soutes, des marécages sans oiseaux. Du fond de ce désert de fonte où je pose un à un mes pas. J'attends la source de tes bras. Allez, maintenant, allons. Celui-là. Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu. Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud. Pour la neige qui fond, pour les premières fleurs. Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Mais soudain, l'horizon s'emplit d'un vaste espoir. Tout semble s'empresser, s'enhardir, s'émouvoir. Il va venir enfin vers l'âme inassouvie, l'éros au bras ouvert qui dit « Je suis la vie ». Une série d'expériences qui s'étendent sur ces 30 dernières années me confirme que l'avenir de l'Inde et du monde tient à l'adoption de la non-violence. La non-violence ne consiste pas à s'abstenir de tout combat réel face à la méchanceté. J'ai trouvé tout simplement que cette loi d'amour était plus efficace que la voie de la violence. La véritable paix avec soi-même et le monde environnant, ne peut exister que si elle est cultivée dans nos esprits. Tant qu'il faudra, nous ne lâcherons pas. Le fait que le racisme soit dégradant autant pour le raciste que pour sa victime nous ordonne, afin de respecter l'engagement fait de protéger la dignité humaine, de combattre jusqu'à la victoire. Il n'est pas facile à un peuple conditionné par la peur et soumis à la loi de fer, du principe selon lequel le plus fort a toujours raison, de se libérer des miasmes débilitants de la peur. Je n'ai d'autre fin ici-bas que de travailler à l'accomplissement de ma destinée qui est mon affaire à moi. Ma destinée est liée à celle de n'importe quelle créature vivante qui habite cette planète, voire même, qui sait, à celle des habitants d'autres planètes. Répandre l'espoir, non la crainte. Et cultiver en commun la joie, vrai trésor humain. C'est le secret des grands sages, et ce sera la lumière de demain. J'ai aimé la nuit franchement enchantée que nous avons passée. Mm-hmm. Et je vous aime, mais je vous aime. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ? Ben écoutez, nous on commence à être fatigués. D'accord. J'aurais besoin de quelques volontaires. 6 volontaires, 7, pour grimper puis observer, pour voir s'il n'y a pas quelques indices qu'on n'aurait pas vus. Ok, alors, les volontaires, s'il vous plaît, il nous faut 7 volontaires pour aider nos agents grimpeurs qui sont fatigués. Il s'agit de monter et d'observer s'il se passe quelque chose, s'il y a des apparitions angéliques ou si les anges nous ont laissé des indices. Voici vos 3 grimpeurs pour ce côté. Vous avez bien 3 cordes à équiper. Affirmatif, mais je dois aller à la sieste, mon lieutenant. Non, vous allez vous occuper de donner les consignes, de donner un petit peu les recommandations utiles pour faire leur travail. À la deuxième.
Hop. Parfois, au maillot, on va bien le monter pour pas bien mettre le maillot dedans, dans le baudrier. Avez-vous repéré quelques indices? Ah oui, là-bas, il y a un 8. Oh, fait avec des cailloux, je sais. Un 8. Un 8, il paraît qu'il y a un 8. Bizarre, un 8. Le 8, oui, c'est un chiffre qui... Un chiffre magique pour les Chinois, il paraît. Ah bon, c'est votre interprétation? Ah bon, que... le chiffre 8, un chiffre magique. Pour les Chinois. Pour les Chinois. Oui. À moins que ce soit, non pas un 8, mais si on le met à l'horizontale. À l'infini. 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 Mais c'est vrai que... Et un truc dans les champs. Je vous aime. Oui, le même, mais pas trop. Vous savez, il faut résister. L'inspecteur l'a dit, il faut résister à cette vague d'amour. Vous êtes missionné par le ministère. Pensez-y, agent grimpeur. Résister à l'amour. Résister. Nous sommes enquêteurs. On se prend, s'il vous plaît. Allez, êtes-vous prêts à le partir pour cette enquête? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc bleu là-bas. Ah, il faut le noter sur le carnet alors. C'est qui va une plume rouge, mince. Ah, ça, ce sont de beaux indices. Regarde, il y en a encore d'autres. Montrez-moi ça. C'est pas mal. L'inspecteur sera fier de vous. Montrez-moi ça. Ansiedad de piloto. L'heure joyeuse. Furia de buzo ciego. Turbia embriaguez de amor. De la stupeur ardente. Todo en ti fue naufragio. Anxiété de pilote. Infancia de niebla, mi alma alada y herida. Trouble ivresse d'amour. J'ai fait reculer la muraille d'ombre. J'ai marché au-delà du désir et de la peur. Oh, chère, ma chère femme que j'ai aimée et perdue. C'est toi dans cette ermite que j'évoque et fais chanter. Des îles, et la femme d'amour m'accueillir tes bras. J'étais la soif et la faim, et toi tu fus le fruit. J'étais le deuil et les ruines, et toi tu fus le miracle. Ah femme, je ne sais comment tu ne peux que contenir dans la terre de ton âme et dans la croix de tes bras. Mon désir de toi fut plus terrible et court. L'heure dure et froide sur la nuit glisse aux petites aiguilles des montres. La ceinture brillante de la mer enserre la côte, surgissent de froides étoiles. Écoutez,
la musique des anges. Pour toi, madame, à la tunique chamarrée. Oui, toi, madame, nous offrons cette promenade. Matin clair, brume légère montant des bords de Somme, toutes les générations futures sont là. Écoutez, écoutez, écoutez. Toi, toi monsieur, avec le t-shirt rayé là. Pour toi, une belle journée. Quelque chose à partager, à faire ensemble. Et puis pas seulement parler, et puis boire, et puis rigoler. Non, ça, faire ensemble. Tu répares le vélo du gamin. Ou tu lui montres comment scier la planche. Oui, ou planter le clou. Surprise! Jolie demoiselle, nous offrons. Allons, nous faisons vœu de voyage. Tu parcourras la terre et tous ses continents. Nous faisons vœu d'une belle histoire d'amour. Autour de vous, ce n'est pas le vide. Ce n'est pas le vide. Il suffirait d'ouvrir la porte. Pour toi, jeune homme. Beau jeune homme. Nous faisons vœu de silence. Dans tout ce vacarme, comment entendras-tu les murmures de l'aimé? Trop de bruit dans ta terre. Pour toi, monsieur, la terre généreuse. Tu la prends dans tes mains. À genoux, tu y colles ton visage. Tu la baises et l'enlaces. Tu y colles ton oreille. Qui parle? Qui parle? C'est l'angelot, toi! Et si facile, l'angelot, là-haut, laissez-le passer, là-haut, tout là-haut. Il était un petit ange bien étrange. Il n'avait pas d'initiale. Ça m'est égal. Autour de vous, se répare les vies. On va y aller, hein? Vous avez appelé, nous sommes venus. Vous avez traversé la forêt, parcouru le chemin. Et les nuées me disent votre passage. Et les mousses tendres, tous me disent de vous saluer. Approchez. Vous nous avez appelés et nous prendrez. Attends, je ne sais plus rien. Qui a entendu des oiseaux dans la forêt? Oui, j'en ai entendu. Oui, ça fait comment les oiseaux? C'est du boulot d'être angelot, crapahuté toute la journée. Tout là-haut, les angelots, c'est du travail, vaille que vaille, d'aimer l'humain, drôle de machin. Mais voilà, les anges sont là. Mais voilà,
les anges sont là. 1, 2, 3, 4, 1, 3, mais qui va là? C'est du boulot d'être angelot, à palper toute la journée. Au revoir, mes amis. Merci. À l'arrivée, il y aura une nouvelle tournée jusqu'au village en chantant. Chantez jusqu'au village. Chantez. Avec le professeur Walcard, vous allez pouvoir écrire. Et avec Marie-Thérèse de l'Enfant de Jésus, vous allez pouvoir dessiner, coller, peinturlurer, enfin, redonner vie à tout ce que vous avez vu, à ce que vous avez entendu, à ce que vous avez compris, à ce que vous avez volé, embrassé, rêvé. C'est ça, inspecteur. Alors, qui veut écrire? Est-ce que quelqu'un veut écrire? Si vous êtes trop fatigué, vous pouvez aussi aller à la buvette. Tout va bien se passer. Restez calme. Je veux bien voir aussi. Nous allons aussi avoir notre cellule d'assistance psychologique. Qui va vous aider si vous vous sentez un peu... Ouais, il faut parler. Bizarre, il faut parler. Il faut parler, restez calme et parler. Et nous allons aussi avoir notre cellule de décontamination. On rigole pas. Réservez-leur le meilleur accueil. Eh ben. À tout à l'heure. Rendez-vous à 20h pour la remise du bilan de notre enquête. Je compte sur vous. Courage, travaillez avec tout votre cœur. Le cœur. Oui, enfin, avec toute votre tête, travaillez. Enfin, faites le travail, c'est la santé. Allez, suivez-moi. Alors madame, vous voulez écrire? Inspecteur. Vous voulez faire de l'artistique? Oui. Madame veut écrire. Non, je sens votre inspiration monter, je sens comme des ondes très fortes. Vous pouvez tout à fait écrire pieds nus, il n'y a aucun problème. Allez-y monsieur, dame, laissez-vous partir. Oui, bien sûr. Vous pouvez faire mal à quelqu'un. Non, non. Alors, à qui dessin, c'est là ou c'est là? Ah, c'est l'écriture. Et si je vous dis édredon, couette, bon, là on part vers des chemins dangereux, non? Non, vous inquiétez pas, monsieur, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de piège. Bon alors, est-ce que j'ai dit que je pose la question? Oui, chef. Je crois, chef. Allez, compris. Picard libéré. Tu veux qu'on compte voir combien on a de mots? Parce qu'il a dit 80 mots, c'est fait attaquer sur 80 mots. T'as encore 10 minutes si tu veux en faire un. Et si je vous embrasse? Quel plaisir est pour ça moi. Ça vous fait quoi? Tout le plaisir est pour moi. Bon, maintenant nous allons vous dire des insultes. Jusqu'à ce que vous ayez envie de nous taper dessus. Ça risque d'être long, chef. Je vous aime bien, chef. Mais moi, je t'aime pas, chef. C'est quelle couleur? Aïe. On n'a jamais vu ça. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. T'es sûr que t'as pas fait d'erreur? T'as bien appuyé sur le bon bouton, il n'y avait pas quelqu'un qui t'a gêné. Non, je t'assure. Enfin, quand même, je connais. Hop, regarde. Hop, c'est refermé. Poufias! Moi aussi, je vous aime, chef! Blaireau! Vas-y, du capot ambulant! Ouais, puis toi-même, très bien. Il est guéri. C'est bien. On a eu du mal, hein. Merci, chef. J'ai eu peur. Tiens, en souvenir. C'est bon. Merci. On devait mesurer le niveau d'amour du cœur avec un appareil qui fonctionne électroniquement. C'est un octo-cœur. 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 Voyez la petite chose rose qui est là-bas. C'est le drame, on doit couper. Ça va quoi? Ça transforme tes battements de ton cœur en musique. Ça s'énerve. Je sais pas, là, mais il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose, mon dieu de là. Qui est l'auteur de... Je crois qu'il est peut-être supprimé. Ah!
Qu'est-ce que vous en pensez, Miss 003? Ah, vous êtes complètement stupide. Je trouve que ça... Oui, hein? Ah oui, je suis d'accord avec vous. Merci pour votre invitation. On les applaudit bien fort. Merci pour tous ces indices qui nous éclairent beaucoup sur la situation. Nous avons des créations pour le moins bizarres. L'amour est passé par là. Je vais vous lire par exemple un texte au hasard. Un poème est un mot d'amour qu'on offre à l'amour de notre vie. Et maintenant, j'ai assez souffert, donc je vais boire une bière. Je vais laisser les assistants lire un petit florilège du texte. Tout à vous, inspecteur. Allez-y, 001. Excusez-moi. Merci, jeune homme. Alors, l'amitié. Dans une sensation, c'est les deux amis qui unissent leur amitié ou qui s'entraident pour l'éternité et qui, à la fin, forment une grande amitié avec un ami. C'est lui ? C'est eux ? C'est ici ? Et c'est bien loin ? Mais toujours avec moi ! L'animation mise en place a permis d'allier l'épanouissement du corps et de l'esprit, l'exercice physique, attention, dans un cadre champêtre, permet d'être réceptif à ses idées. Mesdames, messieurs, je ne sais s'il faut conclure à une présence angélique dans ces bois, mais je... Ah, je crois que je vous aime. Je vous aime tous. Comment je vais faire, moi? Je vais vous embrasser tous. Comment je vais faire pour me séparer de vous maintenant, seul dans mon ministère? Vous pourriez venir. C'est grand le ministère, hein. On va installer des lits d'appoint, des banquettes, des frigidaires. Et puis, il y a de l'argent. Et puis des petits billets. Déposez vos candidatures, je les appuierai pour intégrer les services. L'amour est là, doux ou piquant, selon le vent. Des bisous, dans tous les coups, c'est du boulot, des tranchelots. En amouré, toute la journée, go. Participation. Allons manger. Il n'avait pas d'initiale, sa mère.